Depuis la réouverture de l'Horeca, certains enchaînent les terrasses. Moi c'est ma troisième, lui c'est sa 25e et lui sa 26e. Septième. Non mais regardez juste le monde qu'il y a, le monde qui vit, ça fait juste trop du bien. Dans ce quartier estudiantin, il vaut mieux réserver ou prendre son mal en patience pour espérer avoir une place. Chaque jour la terrasse est remplie parce que les places sont limitées. Donc il y a quand même un petit rush, mais une fois que c'est... Mais on est resté stable depuis la réouverture. Malgré le sentiment de frustration d'être en nombre limité autour de la table, les clients jouent le jeu des mesures sanitaires. Ils sont disciplinés, à 22h moins 10, ils partent d'eux-mêmes, donc c'est assez agréable. Si ce n'est pas la météo qui les fait fuir, certains établissements sont mieux équipés que d'autres. On a une terrasse qui n'est pas à 100% couverte, donc certes, quand il pleut ou quand il me fait mauvais, on perd aller, puisque la moitié de nos clients. Mais la pluie a-t-elle déjà arrêté un Belge? Une météo plus ensoleillée ferait le bonheur de toutes et tous, avant de pouvoir accueillir de nouveau les clients à l'intérieur. C'était ça la magie du lieu, en fait. C'était les week-ends avec le DJ, les gens qui viennent danser et s'amuser. Là maintenant, tout est un peu bloqué, mais c'est normal, après on fait avec. Alors en attendant... Santé alors. Bah santé. On peut même pas santé, dire que c'est parce qu'il fait beau. Parce qu'il fait pas vraiment santé. Beau, santé. C'est juste parce qu'on en avait vraiment besoin quoi. Santé, on est bien.